J'ai raté. Et bah, c'était pas le bon bouton. Tchou! Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage du jour. On en avait parlé sur Twitch, les vidéos sont diffusées, tous les enregistrements que je fais, je les diffuse en même temps sur Twitch. Ouais, ça c'est bien. Ça veut dire que cette vidéo, bah, vous la regardez peut-être sur YouTube, vous, mardi, mais qu'elle était déjà lundi, on a fait le déballage. Je fais le live sur Twitch, à partir du moment où je dis voilà, maintenant on fait l'enregistrement. Et là, ce sera l'enregistrement du déballage. Ensuite, on enregistre l'enregistrement et ceux qui sont là, qui ont des questions à me poser, bim badaboum, ça permet de terminer là-dessus. Ça veut dire que si tu veux que le déballage sur YouTube, c'est parfait. Si tu veux savoir ce que t'as loupé, faut aller sur Twitch. Trop bien. Voilà. Bon, ce matin, j'ai reçu ça. Je vous rappelle, déballage de la boîte mystère tous les samedis sur Twitch pour une vidéo en ligne le dimanche. Et puis, je vous propose, bah, tous les jours de la semaine, chaque fois que je reçois un colis, comme ce matin, par inadvertance. Et bizarrement, il est où le truc? Comme ce matin, par exemple, inadvertance de... Ah, si. De vous déballer les produits avec moi. Alors, généralement, moi, je sais à peu près ce qui m'attend. Oula, attends, j'essaie de pas me couper un doigt. Mais vous, non. Voilà, donc pour vous, c'est une réelle surprise. Donc la vidéo est aujourd'hui et ce lundi après-midi pour moi et lundi matin pour vous sur Twitch. Voilà, donc là, pour vous, gros suspense. Et demain, elle sera sur YouTube. Oh, il y aura directement le nom du produit, hein, histoire de faire un peu de référencement. Alors je vous mets la boîte à l'envers, parce qu'il y a mon adresse et tout dessus. Voilà. Des petits mots d'amour des fabricants. Il n'arrive jamais et tout. Alors j'ai toujours espoir de me dire peut-être que les fabricants vont m'en envoyer un peu plus. Bon, c'est un téléphone. Voilà, tu l'auras vu. Moi, il n'y a rien de... Non. rien d'exceptionnel. Bon, 13P, Ulefone, de chez son petit nom. Ulefone 13P. C'est con, il n'y a pas de... J'aime bien quand il y a du cellophane et tout, là. Tu sais, le petit moment ASMR. Oui, je découvre des mots. Le petit moment ASMR... Voilà, en mode déballage. Bon, elle m'avait écrit, la meuf de chez Ulefone, pour me proposer ce téléphone-là en review. Ce qui n'est pas chaud, hein, quand même, parce que c'est pas une bombe atomique. Hein, c'est un téléphone à 150 balles, déjà. Alors, lancement aujourd'hui. Alors, je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai dit, voilà, j'ai reçu aujourd'hui. Vous voulez la vidéo quand? Elle dit, bah, en fait, le lancement, c'est aujourd'hui. Je me dis, ce sera pas possible. Hein. Aujourd'hui pour aujourd'hui, ça va pas être possible, madame. Par contre, mercredi, comme ça, aujourd'hui, on découvre un peu le téléphone. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Il est pas mal sur plusieurs points. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte, ça sera fait. Phone charging, ok. Safe, ok. Une carte de garantie, ok. Eh, vous êtes déjà 4 en ligne, mine de rien. Note. Il y a une caméra avant Sony, caméra arrière Sony. Oh, petite silicone, ça j'aime bien. Comme ça, quand ça évite que je les règle, quand je les emmène en promenade. Ça c'est bon. Un petit chargeur 10 watts. Hein. J'ai commencé à préparer la fiche. Donc je sais déjà ce qui m'attend un petit peu. Chargeur 10 watts, câble USB type C. Ok, pas mal. Alors. Je vais enlever ça. C'est nul. Je voulais savoir quoi. Ça, tu voulais savoir rien. Il y a quoi? Helio G35. Attends, je mets en français et j'arrive. Oups là, c'était pas celui-là. Français. Fransuski, voilà, français de France. Tant qu'à faire. Helio G35, 4+64, 6,5 pouces. Ouais, caméra, alors caméra à l'avant, caméra à l'arrière, 20 millions de pixels, Sony, et à l'arrière là, le Face Unlock, le Touch ID, Touch ID sur le côté, ok là, le Face Unlock, bon ça c'est, on s'en fout, là, le NFC quand même, batterie 5180 mAh, et il tourne directement sous Android 11. Voilà. Je vais mettre en Wi-Fi 5. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te cacher mon mot de passe. Hein, sans... Tada! Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avant de... J'avais préparé un truc trop bien. Attends. Voilà. Donc ça, c'est vous. Et là, c'est le Ulefone. Non, c'était pas celui-là. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'il y avait de bien? Pas grand chose. Alors, le Note 13, 150 balles, bon, 169 dollars. 5, là, on en a parlé. Un Helio 35, caméra 16. C'est les caméras qui étaient pas mal, parce que après tout le reste, le téléphone est quand même relativement basique. Hein, il n'y a pas de truc de ouf. Image ambassadeur, apparemment, ils ont chiané un peu l'image. Mais je crois que dans les specs, j'avais vu des trucs. Alors, attends. Écran 6,5 pouces, caméra arrière, donc là c'est une 20 millions de pixels, une IMX 350, pas mal en même temps, c'est ça. Une 2 mégas pour les macros, ok, et caméra frontale, c'est une IMX 481 en 16 millions de pixels, c'est pas mal au niveau de la config et tout, on a vu pire pour plus cher. Voilà, on se met comme ça, le verre partait en
ouvert. Ouais, bon après voilà, t'en as pour 150 balles. Bon, il s'ouvre pas, il y a une batterie de 5000, que ce que je vous dise, ignoré, ça on s'en fout. Ah, vous voyez pas là? Attends, je reviens là, voilà. Il est pas... Il est ni beau, ni vilain, quoi, tu vois, en fait. Déverrouille l'écran, non, on s'en fout, ça, c'est toujours un... Passer le code PIN, ouais. Il est pas trop mal. Là, au début, il y a le double SIM plus micro SD. Pas mal. J'ai vu que la micro SD pouvait taper jusqu'à 1 Tera. Ça, c'est pas mal. Bon, Helio G35, donc une 20 Sony plus une 2 millions de pixels. Plus ça, là, ça doit être pour la profondeur de champ. La batterie 5000 en USB type C. Le chargeur, c'est un 10 watts, donc rien d'exceptionnel. Il a quand même le NFC. Ça peut être pas... Voilà, ça peut être intéressant. Et il parle, eux, dans le truc, il a une toolbox. Alors, boîte à outils... Veuillez insérer, non, c'est pas celle-là. Il y a la radio FM, regardez si c'est une radio sans autoriser. Brancher les écouteurs. Donc là, c'est bien la radio avec les écouteurs. Ça, c'est nul. C'est pas trop mal en fait les radios. Tu sais, quand il n'y a pas de truc. Attends. File, note, non, radio, magnétophone, lanceur facile, boîte à outils. C'est peut-être là, non, c'est vraiment. Il y avait marqué qu'il y avait un truc pour la photo. Spécial trop bien, mais je sais pas, j'ai pas vu dedans. Peut-être là dans les photos, il y a un truc supplémentaire. Mode de nuit, photo, vidéo, image, pro mode, ouais, macro, plus UHD, mode portrait pour faire les gifs, panorama, timelapse. Bon, il n'y a rien d'un scanner intelligent, ça c'est pas mal. Bon, le téléphone il est pas ouf, encore une fois. Hein. Voilà, c'est un Ulefone. Note 13, là on est lundi, donc j'ai fini mon aspirateur balai à main, qui poussière, eau et poussière, eau et liquide et nettoyage, c'est à dire qu'il lave et il aspire les liquides, c'est pas mal. Donc ça, à mon avis, je ferai les plans demain. Non, demain, j'étais du geek, je ferai les plans demain et qu'est-ce que je veux dire, je ferai les plans demain et les photos demain après-midi, peut-être la voix demain après-midi, je finirai mercredi le montage, donc la vidéo pourra tomber mercredi, voilà. En secours, okay. Oui, c'est ça. Après, voilà, c'est pas un truc de ouf, mais voilà. Voilà, là, c'est le format que je vous propose un petit peu bah, sur GLG vidéo. On va pas arrêter là-dessus parce que pour l'instant, c'est que un déballage. Et l'intérêt, c'est-à-dire quand les produits, j'ai pas le droit de vous les montrer, de vous les tester. Quand on fait qu'un déballage, ça va. Voilà, là en théorie, le téléphone sort aujourd'hui, donc j'aurais presque pu vous faire le test complet, mais j'ai pas le temps parce que j'avais du travail ce matin. Voilà, ici s'arrête l'enregistrement pour GLG vidéo. Donc le titre, ce sera unboxing du Ulefone Note, Ulefone Note 13P. Voilà, et puis on se retrouve sur Twitch pour ceux qui sont encore en live et qui auraient éventuellement des questions à poser, bien sûr. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je kiffe. Bye bye.